Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulou Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter la feuille de route de la saison 1 de Warzone et de Vanguard et je vais vous présenter aussi le patch note qui est juste ici que je vais un peu lire avec vous mais vite fait. Mais si jamais, de toute façon le lien sera en description, en commentaire épinglé si jamais vous voulez aller voir par vous-même. Donc on va commencer par la feuille de route. Donc à partir du 8 décembre, il y aura la saison 1 de Warzone et de Vanguard. Donc nous aurons la nouvelle map Caldera sur Warzone Pacifique, parce que en fait maintenant Warzone ça s'appelle Warzone Pacifique. Nous aurons des nouvelles armes, donc 40 nouvelles armes. Nous aurons un nouveau goulag, bien entendu comme c'est une nouvelle map, ben, nous aurons un nouveau goulag, c'est normal. Nous aurons Rebirth Island, toujours je pense que ce sera peut-être revisité. Alors nous aurons de nouveaux modes Vanguard Résurgence avec Vanguard Royal. Nous aurons de nouveaux véhicules, le Fighter Plane, donc c'est un avion, un véhicule, une Jeep, un squad véhicule et un cargo truck, donc un camion. Nous aurons aussi de nouveaux contrats, donc on ne sait pas encore, ça on le verra sûrement dans le patch note. Oups, désolé pour mon téléphone. Nous le verrons sûrement un petit peu plus tard dans le patch note que je vais vous lire. Ici, nous aurons un nouveau public event. Donc voilà, un événement. Alors, ensuite, dans le multiplayer, nous aurons de nouvelles maps. Une nouvelle map 6v6, 8v8, 12v12 de Paradise. Et Radar en 6v6, 7v7, 8v8, 14v14. Donc sur ces deux nouvelles maps. Alors, nous aurons un nouveau mode de jeu qui s'appelle Control. Nous aurons de nouveaux atouts. Plus létal. Alors létal, je crois que c'est des armes létales, je pense. Hein. Des nouvelles armes de corps à corps, peut-être. Peut-être je me trompe. Je ne suis pas sûr. En tous les cas, nous aurons de nouveaux atouts, plus du létal. Voilà. Si vous en savez plus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. De toute façon, on le verra peut-être dans le patch note. Alors en zombie, nous n'aurons pas de nouvelles maps zombies pour la saison 1 de Vanguard. Mais peut-être à la saison 1 rechargée de Vanguard, nous aurons de nouvelles maps zombies. Ou alors, faudra attendre la saison 2. Alors, dans le zombie, nous aurons un nouvel objectif qui s'appelle la purge. Donc, je pense que la purge, c'est tout simplement le secret dans le mode de jeu disponible, donc Der Anfang en zombie Vanguard. Donc, voilà, je pense que ça correspond au secret. Ça s'appellera la purge. Nous aurons de nouveaux convenants. Donc, ça, c'est sûrement des nouveaux pactes dans l'hôtel de pacte. Donc, de nouvelles améliorations de gameplay. Nous aurons de nouvelles armes, nous aurons de nouveaux challenges, donc de nouveaux défis. New feature, Tomb of Ritual. Donc ça, je pense que c'est possiblement une quête secondaire, mais ça, ce sera pendant la saison. Donc pendant la saison 1. Ici, tout le reste que je vous ai dit, c'était dès la sortie. Mais ici, tout le bas, ici, les 4 images, c'est pendant la saison. Alors, New feature, Tomb of Ritual, je ne sais pas trop c'est quoi, on va voir ça après dans le patch note. Ici, Von List Office, je ne sais pas non plus ce que c'est. Ici, support Killstreak en zombie. Ça ressemble à une machine de mort. Après, je ne suis pas très sûr. Parce que, ouais, je pense que ce serait une machine de mort. Dans les Killstreak, donc dans la table de craft, dans le soutien. Je pense que c'est ça. Nous aurons de nouvelles armes aussi en pleine saison. Alors ici, Weapon Operator et plus encore. Warzone, Ricochet, Anti-Triche. Seasonal Event, Festival Fervor. Donc nous aurons un événement Festive Fervor. Ici nous aurons de nouveaux opérateurs, donc nous aurons Francis, Lewis et Isabelle. Task Force Trident, ok. Donc Isabelle arrivera pendant la saison 1. Ici nous aurons de nouvelles armes, donc le Cooper Carabine, le Sautou. Donc ça a l'air d'être une arme de corps à corps, assez stylée quand même, assez badass. Ça a l'air d'être de faire un sale carnage quand même. Ici nous avons un katana, ah ouais, ça c'est pas mal du tout. Nous avons une nouvelle arme qui s'appelle le Gorenko Anti-Tank Rifle. Et nous avons le Wellgun qui a l'air vraiment pas mal aussi. Alors nous aurons un nouveau pack qui s'appelle le Skull Collector Pro Pack. Nous aurons le Fear Starter Mastercraft, ok, et nous aurons Course of the Ancien dans les packs que vous allez pouvoir acheter. Donc voilà pour la feuille de route. Maintenant, je vais vous
lire, je vais survoler hein, vraiment le patch note de cette saison 1. Donc bienvenue dans le Pacifique. Donc là, il y a le trailer que j'ai posté sur ma chaîne YouTube. Là, il y a la feuille de route que je vous ai présentée. Nous aurons un accès exclusif de 24 heures à Caldera pour ceux qui ont précommandé, enfin qui ont joué, qui ont acheté le jeu Warzone avant le 8 décembre. Donc voilà, nous, tous ceux qui ont acheté, pas Warzone, mais Vanguard, excusez-moi, tous ceux qui ont acheté Vanguard avant le 8 décembre pourront participer 24 heures à l'avance pour jouer sur Warzone Pacific à partir de 9 heures. Donc je pense que c'est 9 heures du matin, heure du Pacifique. Donc je pense que c'est ça. Ensuite, il est marqué, préparez-vous à une toute nouvelle guerre avec un pass de combat. Donc il y aura un nouveau pass de combat, bien évidemment. Le pass de combat de la saison 1. Présentation de Soft Trident, ça à mon avis c'est sûrement un opérateur, un nouvel opérateur. Ok. Ici plus tard dans la saison encore un nouvel opérateur. Un nouvel opérateur. Ça c'est un opérateur exclusif au PlayStation Plus. Donc nous aurons le personnage, une variante, une montre, un jeton double XP, une carte de visite. Voilà. Un plan d'armes de mêlée légendaire, échelle de sirène. Plus un emblème épique et un autocollant. Voilà tout ce que nous aurons. De toute façon, ça, je vous le présenterai quand il sera disponible sur le PlayStation Store. Alors, 5 nouvelles armes gratuites dans la saison 1, dont 3 dans le système Battle Pass. Ok, donc nous pourrons en débloquer 3 dans le Battle Pass et il y aura 5 nouvelles armes. Donc, 2 qu'on devra sûrement faire des défis pour les débloquer ou attendre la prochaine saison pour les débloquer automatiquement. Ok. Donc, nous aurons le Cooper Carabine, celle-ci. Nous aurons le Fusil Antichar Gerenko, celle-ci, voilà. Nous aurons le Shaotou Melee. Ok, donc ça, c'est l'arme de mêlée que j'avais dit qui avait l'air d'être très badass. Le nouveau Katana, oh là là, insane celui-là. Le Wellgun SMG qui a l'air incroyable aussi. Une mitrailleuse, pistolet mitrailleur. Point fort du Battle Pass. Donc dans le Battle Pass, comme d'habitude, nous aurons 1300 points de code et plus. Donc nous aurons une variante apparemment aussi. Cette variante-là, j'ai l'impression qui est plutôt pas mal. Or rouge comme ça, c'est vraiment pas mal. Donc un plan d'armes et sûrement des skins, etc. Alors des plans d'armes sûrement dans le pass de combat. Pass de combat aussi, je suppose. Ça aussi, pass de combat. Alors, apparence d'opérateur, sûrement du pass de combat, je pense. Encore une apparence de pass de combat. Encore. En fait, il nous présente un peu le pass de combat, là. Alors, ensuite, au niveau 100, apparemment, 95 à 100, nous aurons cet opérateur qui est très, très, très stylé. J'adore le style de ce personnage-là. Vraiment beau. Alors, en magasin, aperçu des packs. Donc, ça, c'est le pack Skull Collector. Voilà, ici c'est quoi ça? Je ne sais pas trop. C'est sûrement des... Ouais, ça fait partie des packs. Hein. Ça, c'est des packs payants qui seront disponibles sur Warzone et Vanguard. Aperçu du multijoueur Vanguard. Donc, ok. Nouvelle carte, y compris le radar de remake du drone du Dôme MW3. Ok, un remake. Ok. Ça, c'est une nouvelle map aussi. Retour de contrôle, fenêtre de lancement. Ouais. De nouveaux avantages et une grenade mortelle incendiaire pour les chargements. Ok, une nouvelle grenade incendiaire. Nous aurons... Ah, mais c'est ça alors le létal qui disait en fait. Je pense que le létal, c'est justement la grenade incendiaire. Je pense. Et de nouveaux avantages, donc de nouveaux atouts. Donc il y aura le serpentine, perque de niveau... Perque 1, niveau 21 du pass de combat. On pourra le débloquer, ok. Se lance dans un sprint régulier, réduit légèrement tous les dégâts causés par la balistique et les explosifs, tandis que les sprints tactiques peut réduire les dégâts de plus d'un quart de sa valeur normale. Ok, donc voilà à quoi servira l'atout. Le sprint réduit les dégâts entrants. L'atout numéro 1 qui est le serpentine. Alors, il y a l'atout numéro 2 qui s'appelle intuition. Mais il n'y avait pas déjà un atout comme ça qui s'appelait intuition. Donc on débloquera au niveau 44 du pass de combat. Votre vision palpite lorsque les ennemis sont à proximité, même à travers les murs. Ok, je vois. Donc s'il est à genre à 2-3 mètres, vous allez avoir une vision palpitante. Donc ça veut dire qu'il y a un ennemi proche de vous. Alors semblable
High Alert dans le jeu précédent, mais avec une portée plus courte. Ok, ce sera plus court, c'est une courte portée. Intuition vous permet de percevoir les menaces avant qu'elles ne contournent les virages et n'éclatent à travers les portes. Cela se fait sans qu'il soit nécessaire de les supprimer comme Piercing Range, ce qui en fait une option plus passive pour ceux qui recherchent des engagements plus rapprochés. Ok, donc c'est pour les gens qui jouent au contact, quoi. Alors ici, nous aurons une grenade incendiaire spéciale, équipement mortel, débloquable au niveau 39 du pass de combat. Alors, tout simplement une grenade incendiaire, vous allez le lancer et ça va créer du feu. Alors, Vanguard zombie vue d'ensemble. Ok. Préparez-vous, ça c'est intéressant, hein. Préparez-vous pour la purge et les nouvelles alliances. Un nouvel objectif à conquérir au lancement de la saison, ainsi que 14 nouvelles façons d'utiliser le cœur. Ok, nous aurons 14 nouveaux améliorations pour les cœurs sacrificiels. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Déjà qu'on en avait pas mal. Alors là, on va en avoir encore plus. Ça, c'est cool. Nouvelles armes et défis. Tome of Ritual, Support Killstreak, New Area, Holiday Update and More. Saison. Améliorer ces artefacts pour des capacités d'éther noir plus puissantes. Découvrez de nouveaux secrets dans le bureau de Von List et créez des puissants outils d'assistance à utiliser contre les menaces de morts vivants plus tard dans la saison. Alors moi, ce que je comprends, après c'est qu'une théorie, c'est ce que je comprends, c'est qu'on va pouvoir avoir la possibilité de crafter, de récolter en tous les cas des artefacts, enfin ou des cristaux, un peu comme les cristaux qu'on avait dans Cold War, et on va pouvoir améliorer nos capacités, nos spécialistes. Donc genre anneaux de feu, etc. On va pouvoir les améliorer. Et s'ils rajoutent ça, c'est quelque chose de très bien. Parce qu'en fait, les spécialistes sur Vanguard, zombie, ne servent pas à grand chose pour l'instant. Donc si on peut les améliorer, ce serait vraiment cool. Donc je pense que c'est ça qui nous raconte. On verra bien de toute façon quand le jeu sortira. Enfin, on verra bien le 8 décembre ou le 9 décembre. Non, c'est le 8 décembre. Alors, nouvel objectif, Alliance, Armée, Défi. La première saison, nouvel objectif, Alliance, Armée, Défi. Ok, donc nouvel objectif. Nous aurons Alliance. Donc nous aurons de nouveaux objectifs dans l'Alliance. Nous aurons de nouveaux objectifs dans les armes et des défis. Je crois que c'est ça. Alors, nouvel objectif, purger. Éliminer les augmentors de ce plan d'existence dans Purge. Le nouvel objectif à venir de Derenfang, c'est vers éthéré, se nourrissent de l'énergie dimensionnelle qui alimente Cortifex et ne peuvent être arrêtés qu'en capturant de puissantes runes de contrôle. Mais attention, les augmentations engendreront des vagues ennemies comme mécanisme de défense lorsque vous tenterez de les purger de notre dimension. Préparez-vous à affronter cet objectif parmi ceux déjà disponibles dès le lancement dans toutes les arènes de Stranglegrad à Shinonuma. Gagnez un nouveau cœur sacrificiel à chaque événement. Achèvement de 1-1. 14 nouvelles améliorations. En fait, ils n'en disent pas plus hein, sur le nouvel objectif purgé, mais je pense que c'est le secret. Hein. Franchement, si c'est pas le secret, ce serait vraiment décevant. J'espère vraiment qu'ils vont nous mettre un secret. Hein. Parce que seulement un nouvel objectif, purgé, c'est simplement un objectif, ça sert à rien, frère. 14 nouvelles améliorations d'Alliance. Brimstone. Deadshot. Ah, en fait, c'est ça les améliorations d'Alliance. C'est comme ça qu'ils les appellent. C'est les trucs qu'on achète dans l'hôtel de pacte. Alors, Brimstone inflige des dégâts aux ennemis proches. Rare. Ok, donc ça inflige des dégâts aux ennemis proches. Ok, on verra bien ce que c'est. Deadshot. Vise vers le bas. Enclenche le réticule à l'emplacement de la tête sur les ennemis. Ouais, donc c'est un deadshot. Hein. Fillmore. Étourdit l'ennemi. Étourdit l'ennemi si l'ennemi est proche. Ok. Ici, c'était quoi alors? Supprime le balancement de l'arme quand vous l'avez en rare, épique, rarity. Ok. Scraper. Gagner plus de récupération des ramassages. Ok, donc c'est pour récupérer plus de matériaux. Gagner plus de récupération grâce au ramassage et aux récompenses d'objectifs. Ok, on gagne plus de matériaux. Swift Vengeance. Infliger plus de dégâts. Plus vous vous déplacez rapidement, s'active peu de temps après avoir commencé à bouger. Ah ok, donc ça c'est pas mal du tout. Ça veut dire que quand on va courir, parce que je sais qu'il y a une compétence qui nous permet de faire plus de dégâts quand on est fixe, et bien là c'est l'inverse. Quand on va bouger, on fera plus de dégâts. Donc ça c'est vraiment très très stylé. The Beak, donc là ils disent 14 nouvelles améliorations. Donc en fait, il y en a 1, 2, 3, 4, 5.
plus le niveau de rareté. Comme il y en a 4, 4 fois 5, ça fait 15. Je pense qu'ils calculent comme ça. 14 nouvelles améliorations, je pense que c'est comme ça qu'ils calculent. Ou alors, ils nous en ont 1, 2, 3, 4, 5. Ils nous en ont donné que 5 sur les 14, je ne sais pas. Mais je pense que, en réalité, il n'y a que 5 nouvelles améliorations. Et que quand ils disent 14 nouvelles améliorations, c'est parce qu'ils calculent les niveaux de rareté, rare, légendaire, etc. Alors, The Big Gun Are... Ouais, désolé pour mon anglais. Armure et lanceur de la saison 1 entrant. Donc nous aurons des armures apparemment, les armes les plus récentes de la saison 1, les carabines. Donc des armes plutôt, on aura des nouvelles armes. Et lanceur de la saison 1 entrant. Nous aurons des nouvelles armes et de nouveaux lanceurs pendant la saison 1, si je comprends bien. Nous aurons de nouveaux défis, carrière, zombie et défis de la saison. Ok. Bientôt disponible. Le tome des rituels, une nouvelle zone, des séquences d'élimination de soutien, des mises à jour de vacances et plus encore. Donc nous aurons une nouvelle zone. Et le tome des rituels, je ne sais pas encore c'est quoi. Alors c'est quoi le tome des rituels? Vos artefacts pourront gagner en puissance grâce au tome of ritual, offrant de plus grandes capacités d'éternoir pour vous aider à survivre. Ok, donc si je comprends bien, le truc qu'on voit juste ici, qu'on dirait un bouquin, le Tome of Rituel, eh bien ce sera un nouvel, un peu comme l'hôtel des packs, donc ce sera un nouvel élément qu'il y aura dans la map, et quand on ira près de cet élément, on pourra améliorer nos spécialistes. On devra les améliorer dans le jeu, et sûrement avec des artefacts. Ou des cristaux, pour améliorer les artefacts. Donc les artefacts, c'est nos spécialistes. Donc je pense que ça va se passer comme ça. Le bureau de Von List. Peu de gens savent que... ce que Von List cache dans ses quartiers personnels. Mais cela peut offrir des indices sur le plan de Cortiflex. De sombres secrets peuvent également vous attendre au-delà d'un nouveau portail mystérieux. Donc ça, je pense que le bureau de Von List est le nouveau lieu qui sera disponible en mi-saison. Enfin, pendant la saison 1. Avant la saison 1, rechargé normalement. Soutenez Killstreak. Donc nous aurons la War Machine et la Death Machine. Donc deux nouveaux armes de soutien. On combattre Et vous voyez, vous ayez la chance de l'avoir dans la boîte mystère. Donc les killstreaks, on peut les avoir dans les boîtes mystères, bien entendu. Depuis Cold War, c'est comme ça. Fonctionnalités supplémentaires, de nouveaux défis de débrouillage d'armes, de mise à jour de Mystery Box. D'armes de Mystery Box, une fonctionnalité de pause du serveur et bien plus se sont prévenus dans la saison 1, y compris de nouveaux thèmes de vacances festifs de Stalingrad. En parlant de ça, blablabla. Non mais regardez, on va pouvoir mettre pause en mode multijoueur et en solo, c'est juste incroyable. Merci les mecs. Alors c'est la saison du prestige, défi événement de la première saison. Festive fervor. Au lancement de la saison 1 marque le coup d'envoi des célébrations de la ferveur festive à venir ainsi que tout le contenu gratuit palpitant à l'arrivée de la nouvelle année. Attendez-vous à plus d'informations festives, blablabla, blablabla. Donc ça c'est les nouveaux... prestige, 1, 2, 3, 4. Il y aura déjà 4 prestiges. Normalement, il y en a 10, hein, si je ne me trompe pas. Non, c'est vrai, il n'y en a que 4. Oui, c'est vrai. Que 4 par saison. Donc, ça, c'est les logos des 4 prestiges que vous débloquerez quand vous atteindrez le niveau 200. Donc, niveau 50, prestige 1, prestige 2, blablabla. Vous avez capté. Tous les 50 prestiges, vous gagnez. Les 50 niveaux, vous gagnez un prestige. Et de niveau 250 à 1000, possibilité de gagner des niveaux de prestige supplémentaires s'ils n'ont pas atteint. Pendant la précédente. Ok. Peut-être qu'on gagnera des clés de prestige. Je ne sais pas s'ils ont gardé ce principe-là. Mais des niveaux de prestige supplémentaires. Voilà, ils n'en disent pas plus. Enfin bref, n'oubliez pas. Ouais, ok. Les dernières heures de verdance, rendez-vous maintenant à Warzone. Ouais, donc là, à partir de 21h du Pacifique, le 7 décembre. Donc demain, 21h, peut-être... Là, il est marqué 21h. Moi, j'ai entendu 19h, donc je ne sais pas trop. Mais le 8 décembre. Apparemment, de toute façon, sur Warzone, il y aura la destruction de Verdansk. Donc, c'est le dernier événement. Donc, les dernières heures de Verdansk. Après, nous n'aurons plus la map de Verdansk. La map va se détruire. Nous aurons un événement à faire là-dessus. De toute façon, je lancerai un live pour vivre l'événement avec vous en live. Donc, n'hésitez pas à activer la petite cloche de notification pour ne pas louper mon live. Donc voilà, je vous ai présenté l'entièreté de la saison 1 de Warzone et de Cold War Vanguard. Non, de Vanguard. J'ai lu Cold War parce que là, il est marqué Cold War.
Mais voilà, je vous ai lu toutes les informations à propos de la saison 1 de Vanguard et de Warzone Pacific. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas que je mets le lien du site internet du Patch Note en description, en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Sois Cool Mec et ciao. Peace. Yummy, bruh.